Salut les gens, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tomb Raider Anniversary, ouais! Donc... J'entends des chauves-souris. Je sais pas où je devais aller en fait. Est-ce que je vais retourner en arrière? Waouh, la caméra elle pète un plomb dans les escaliers, c'est assez hallucinant. Ok, je sais pas du tout ce que je dois faire. Je suis retourné en arrière, ok. Non. Alors, ok, j'ai un lingot de plomb. Non. Non, ok, d'accord. Là, il y a un lingot d'or. Mais encore. J'ai récupéré un lingot de plomb, c'est bien, mais... Ah, attends. Ouah, les ombres qui bug sur l'arrière de Midas, tout va bien. Je me demande s'il y a possibilité d'aller par là-bas. Et si oui, comment? Non. Ouais, en plus elle se blesse, cette conne. Très bien. Mes lingots de plomb, ils veulent rien dire là. Il doit y avoir moyen. Elle s'amuse bien avec son grappin en tout cas. Wow, il avait une sale gueule, Midas, hein, quand même. Non seulement il pouvait plus rien bouffer à cause de ses mains qui transformaient tout en or, mais il avait une sale gueule. Youpi! Il a fini seul et il est mort de faim. Attends, on voit, il y a une fontaine là en bas. Hop là. Ouais, c'est ça, blesse-toi. Ils aiment les trucs avec de la flotte, hein, dans ce jeu. Je vais avoir envie de pisser avant la fin de ce let's play, moi. Non. Il semble manquer quelque chose sur les panneaux près de... Oui, ça j'avais compris, Lara, mais... Ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Soyons clairs. Bon, écoute, peut-être que... Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans la salle que j'ai ouverte. On va voir. J'étais parti sur la gauche. Peut-être qu'il faut que je parte sur la droite. Ah bah non. Pas vraiment le choix en fait. Ça prend déjà des plombes d'arriver là-bas. Ok, oui, ça c'est pas possible que ça tienne comme ça, mais bon. Je sais pas, est-ce que j'étais allé par là? Oui, là c'était en bas où j'ai pété la... le pilier. Mais est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Il y avait encore le... l'étage du haut là. Que j'avais pas bien vérifié s'il y avait tout. Mais en tout cas, le lingot de plomb, elle veut l'insérer partout. Enfin, elle veut pas l'insérer. Elle veut l'insérer nulle part, c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, pour moi, son lingot de plomb, elle pourrait se le mettre dans le cul. Puis voilà, on n'en parle plus, mais bon. C'était où pour monter déjà? C'était par là. Ok. Très bien. Ok. Merde. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Voilà. Pétez un plomb quand vous mourrez parce que j'ai trop de FPS sur le jeu. C'est pas grave. Je suis pas contre. Je te jure. Ok. Ah mais putain. Ouais. Non, non. Il doit y avoir un truc à faire ici. Arrête de tomber comme une conne.
Ok, il y a de la vie là. Oh putain. La descente aux enfers de Lara. C'est ça, c'est ce qu'on pourrait dire là, hein, parce que là il y a eu un bug, hein. Normalement j'aurais dû je crois que j'ai compris ce que je dois faire. Je pense que je dois aller un peu plus loin. Mais ça a l'air d'être un saut assez difficile à faire. Enfin, on va voir. Mais le saut a l'air bien chiant. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de jeu d'exploration, c'est à quoi servait cette salle. Je veux dire, là, on visite les ruines et tout, mais à l'époque, à quoi servait cette salle? C'est ça la question que je posais. Pourquoi la statue de Midas te transforme en or? Midas est mort, je pense, depuis le temps, hein. En quoi qu'on est dans un Tomb Raider, donc... Ah, attends, voir. Oh. Ok. Voilà, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose dans cette salle. Attends voir. Où est-ce que je veux que j'aille? Où est-ce que le jeu veut que j'aille depuis là? Y a pas vraiment d'issue, hein. Non, là je t'avoue, c'est pas clair. Aller plus haut que ça. Le bruit que ça fait quand elle descend la corde, on dirait une palette qui est déplacée par terre. Tu veux que je fasse quoi là? Oh, attends voir. Je crois que je sais. Il y a l'air d'y avoir une fissure dans ce pilier. On va bien voir, hein. Ouais, c'est ça. C'était pas évident, hein. Ah, un point de passage. Et mon téléphone est chargé. Bon, ensuite. Évitez de faire le con. Je doute que je doive reprendre ce truc. J'en doute très fort. Où est-ce que je dois aller? Bon, j'ai eu un point de passage, donc même si je meurs... Mais pourquoi je devrais reprendre ça? Je viens de le prendre. C'est stupide. Non, c'est pas ça. Le seul truc que je vois, c'est ce pilier là, mais... Ouais. Ah. Eh ben, on peut dire que les chemins ils sont pas évidents, hein. Après tu me diras c'est de l'exploration et tout, ok, pas de soucis. Mais alors là, c'était deviner. Là c'était devine où tu dois aller. Ok. Me dis pas que c'est juste pour un truc bonus. Ah, saloperie. Ah, je devais aller par là? Ok. Bah oui, j'étais pas allé par là encore, c'est vrai. Bah tant mieux. Je pensais que j'avais foiré. Je pensais que je devais aller plus haut. J'avais vu un truc en haut, mais c'est peut-être qu'un objet bonus après tout. Oh putain! Putain!
M'en fait peur, c'est con. Ouais, c'est gentil d'enlever la cible, mais... Ah, c'est ça, allez vous faire foutre. Il y en a un troisième ? Ok, cool. On fait un nouveau chemin. Il y a un moyen de redescendre facilement ? Ouais. Juste sauter dans l'eau, je suppose. Des fois, t'es tellement occupé sur les énigmes que t'oublies que ce jeu a des ennemis. Des vrais ennemis. Mais je trouve que c'est plutôt bien dosé encore. Et ils sont pas tombés dans le piège de foutre des ennemis dans chaque salle. Bon, de temps en temps, il y a des chauves-souris, mais on va dire que c'est pas ça qui te fait le plus peur. Ok, il y a des feux par ici. Vas-y, sèche-toi un peu, Lara. Ok, ils ont pas fait le truc que Lara sèche plus vite quand elle se tient près du feu. Ok, il y a des flammes partout ici. Donc on va vers Héphaïstos, je suppose. J'aime pas trop ici. Ah. Ok. Je pensais qu'il y aurait un piège ou un truc du genre. Ouais. Ouais. Non. C'est quoi? Pourquoi il meurt pas? Ok, je veux bien que c'est un crocodile, mais quand même, là, je tire au fusil à pompe dessus. Regarde-moi ça, il bug quand t'es pas dans l'eau. Ok. Ok, d'accord, ouais. Hop. La bestiole est venue ou pas? Non, il est toujours bloqué là-bas. J'aime pas les ennemis aquatiques. Surtout quand ils bug, quand je suis pas dans l'eau. Merci. Regarde-moi ça, j'ai le bizarre qui me dit tu peux le buter, vas-y. Mais non, les balles font gilet pare-balles. Youpi. Enfin, l'eau fait gilet pare-balles, je te jure. C'était logique. Ok, y a rien que je peux faire, mais on dirait des bondes de douche. C'est moi qui suis con, hein, mais pensez à ça. Ok, il y a ce truc là qui... Ok. Ok, c'est pas vraiment des bombes de douche. Alors en fait, déclencher ça, ça m'a plus foutu dans la merde qu'autre chose. Avec toujours le crocodile dans le coma là-bas. C'est quoi, on va s'arrêter là pour l'instant. Je crois qu'il a bugué la première fois. Hein.
Je crois que la salle avait bugué la première fois. En tout cas, voilà les gens. Cette vidéo vous a plu, pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait un grand plaisir. Pour sinon rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, allez bye. Ouais, aucune idée, pas grave.